Bonjour à tous, c'est Bejito et je suis en compagnie de Vieri. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, Vieri, tu vas nous proposer une nouvelle émission. Ah ouais, une nouvelle émission, tout simplement. Vous le voyez dans le titre, c'est une émission de versus fighting, plus ou moins. Où en gros, on va s'affronter avec Bejito sur différents jeux. Et on va essayer de prouver qui est le meilleur, qui est le mâle dominant de l'équipe. même si je suis une vraie quiche au jeu de combat, je vais quand même essayer de me débrouiller, surtout ce jeu que je connais pas mal, qui est Guilty Gear XX Accent Core Plus, tout simplement sur PS2, voilà. Donc la série des Guilty Gear, une série développée par Arc System Works, un studio légendaire pour ses jeux de combat, et plus de FPS, ça c'est pas grave. Si c'est grave, non, c'est bon, non. Non, ça va aller, t'inquiète. C'est juste peut-être l'opening qui prend beaucoup de ressources. Bon, eh ben, je te propose qu'on commence tout de suite. Donc, Guilty Gear, une, comme je disais, une série de jeux de versus en 2D, développé par Arc System Works, les spécialistes dans ce genre-là, qu'ils ont fait après BlazBlue, par exemple. Tu prends qui? Tu prends Soul Bad Guy? Ouais, je commence avec Soul Bad Guy, qui est plus ou moins l'anti-héros, et Kai Kisuke, qui est son rival. Kai Kisuke, ben justement, voilà. Que j'aime beaucoup. Alors je prends une musique justement qui correspond bien aux deux, parce qu'il y a un gros point fort dans ce jeu, c'est les musiques qu'on pourra écouter tout au long. Holy Orders, qui est une des meilleures, tout simplement. C'est du hard rock, c'est du bon vieux hard rock comme on les aime. Allez, on commence tout de suite. Et d'ailleurs, en parlant des musiques, composées par Daisuke Ishiwatari, qui est aussi le character design du jeu, et aussi un des doubleurs de Soul Bad Guy. Oui, il a deux voix, on peut choisir les voix, c'est une des particularités du jeu. Et là, il y a une petite animation au début, et c'est sympa, c'est pas nous qui jouons là. Voilà, allez, c'est parti. Ah, moi, je vais essayer de commenter un peu. Donc, on disait Soul Bad Guy qui a deux voix, oui, parce qu'on peut choisir la voix de Daisuke Ishiwatari, donc le character design et le compositeur du jeu. Wow! Ouh, la chute d'FPS, comme je t'ai au ralenti, regarde, je te... Bon, j'ai appuyé sur Start, mais c'était pour essayer de remettre le truc en place. Bon, on rappelle qu'on est sur émulateur, hein, même si on l'a pas dit depuis le début de la vidéo. Vous voyez quand même la qualité qui est un peu supérieure à la qualité de la PlayStation 2. J'essaye de me concentrer en même temps. Ouais, moi aussi, c'est difficile. Parce que Guilty Gear, c'est pas un jeu où on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Tout en racontant sa vie. Ah, vous devez entendre le bruit des manettes aussi. Ouais, certainement, ça fait ça. C'est pas facile. Ah, j'essaie de passer la super attaque, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Le Shoryuken. Qui passe bien. Donc on peut choisir la voix de Daisuke Ishiwatari pour Soul Bad Guy, oui je continue. Et ou de Joji Nakata, qui est un doubleur très connu. Et qui est un doubleur très connu et qui fait peur. Et qui fait peur, oui. Normalement, on se fait dessus quand on entend ça. Donc là tu lui as mis la voix de Joji Nakata, ça. Ouais, bien évidemment, parce que j'adore ce doubleur. Et Kai Kisuke, lui, qui est doublé par Takeshi Kusao, qui est le doubleur de Kles dans Tales of Phantasia, ou encore de Sakuragi dans Slam Dunk. C'est ça. Et je me fais défoncer. Je vais essayer de mieux jouer et de moins parler. Bon, bien sûr, on n'est pas du tout fort. Non, je sais, pour ceux qui s'y connaissent au jeu, vous voyez, ouais, vous êtes des purs amateurs, mais bon. Moi, je connais bien le jeu quand même, je connais au moins les techniques de base. De Soul Bad Guy, j'arrive bien à le manier. Oh putain! Ouais. Voilà, bon, premier. On va dire qu'on va le faire en 3 manches si tu veux bien. Ok. Parce qu'on va changer de personnage à chaque fois, évidemment, pour pas que ça soit trop déséquilibré. Moi, perso, je connais vraiment que Soul Bad Guy, les autres. Je les ai un petit peu pris, mais après ça va être plus, ça va être de la pure chance pour gagner, ça va être ben un bon, petit peu, à part l'entraînement qu'on a eu hier... l'entraînement intensif d'ailleurs. ça faisait très longtemps que... Moi en fait j'avais joué à la version Wii de ce même jeu,
Et je prenais Kai Kisuke, hein, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Sinon, j'aime beaucoup aussi Mia, qui d'ailleurs dans le design du prochain Guilty Gear pète complètement. J'adore. Ouais, ouais, elle déchire, mais de toute façon, tous les personnages, c'était un anime interactif. Pour une fois, on a une 3D qui ressemble vraiment à un anime. Et c'est, voilà. Donc le prochain Guilty Gear qui se nomme Guilty Gear X-Hard. On va mettre la musique de Chip Zanoff, qui est un personnage du jeu, qui s'appelle Sus, un sage. Ça donne envie d'écouter, hein, n'est-ce pas? Donc on va prendre cette musique. Et ça va bien correspondre au personnage de Johnny, qui est doublé par Monsieur Norio Wakamoto. Voilà, ça c'est dit. Donc Norio Wakamoto, doubleur de Cell dans Dragon Ball Z, ou encore de l'empereur Charles Z. Britannia dans Code Geass. Une voix qui devrait Allez, je te donne des sous, regarde. Parler à plusieurs d'entre vous. Je te donne des sous, tu fais pitié. Yeah. Alors comment elle se manie? Bah, si, je le sais un peu. Mais c'est de la jouer défensif. Bon, j'ai rien dit. Je dis que je la joue défensif, mais en fait c'est une canne. Voilà, je suis sorti l'ultra sans le vouloir. Ouais, c'est... Moi je suis en train de mâcher la mettre complètement. Je fais absolument n'importe quoi. Ouais, j'ai invoqué une grosse bouboule, attends, c'est dur. Ah, c'est raté, c'est dommage. J'ai tenté le super qui achève en un coup. Attaque des cheveux ancestrales. Ouais. Alors Mia qui a la particularité de se battre avec ses cheveux, c'est assez particulier. Ah, ouais. La transformation. J'essaie de passer les techniques, mais je sais pas du tout manier le personnage. C'est pour ça, c'est ça qu'on voit. C'est comme ça qu'on voit la différence entre des vrais jeux de combat et des faux jeux, des jeux plus random en tout cas. C'est-à-dire, quand on sait manier un personnage, on gagne, parce que c'est un jeu technique tout simplement. C'est tout simplement la patte des jeux de baston en 2D. Hein. Et surtout Arc System Works, c'est bien développé ça, mais il y a beaucoup de jeux de baston en 2D qui demandent plus du hasard que quoi que ce soit. Mais après, on peut gagner en étant pas très doué. Hein, faut rire. Non, mais il y a une des forces de Arc System Works, c'est que dans tous leurs jeux, quasiment, ils font un panel de personnages extrêmement différents. On n'a pas de personnages clones, comme on en voit dans beaucoup de jeux. Tous les personnages sont extrêmement différents. Vous voyez dans Guilty Gear, dans BlazBlue. Voilà, yes. Et voilà, tu es mort en un coup. C'est passé. Ah mais c'est nul. Mais c'est le super, en gros tu meurs en un coup. Ah mais c'est nul, je t'ai défoncé là. Ah là là, c'est retournement de situation, j'adore. Tiens, prends une petite pièce. Pour t'acheter à boire. D'ailleurs, sa façon de se battre dans les choses, ça me rappelle quelque chose d'obscur. C'est. Tu te rappelles de Nietzsche dans tes games battus? Elle se battait avec ses cheveux. Oui, oui, je me rappelle. Ça me rappelle aussi un personnage dans Fairy Tail. En plus, justement. Dans Fairy Tail, ouais, je vois de qui tu parles, moi non plus, je me rappelle plus de ça. Les spécialistes, vous nous le dire peut-être dans les commentaires. Mais j'aime beaucoup quand même son style de combat à Minula. Non, oh yes. Mais non, je l'avais esquivé. Oh, mais c'est de la merde. C'est de la merde ce jeu. Non, c'est la faute à la manette. C'est toujours la faute à la manette. Je l'avais esquivé, c'est n'importe quoi. Bon, alors... troisième manche. On va dire pour le fun, hein, comme d'habitude, de toute façon, on va pas compter les scores, on s'en fout. Tiens, je vais prendre Chip Zanoff, ça fait longtemps que j'ai pas pris. J'adore ce perso, une espèce de ninja. On va changer de musique aussi. Une musique que j'aime beaucoup, Licor Bar. Je vais prendre Bridget avec ses yo-yo. T'aimes bien les petites blondes, ok. C'est parti. Ah oui, mais moi je suis pédobière confirmé. Surtout qu'on voit elle se bat avec un orf. Allez, on vous laisse un petit peu profiter de la musique. On vous l'a promis depuis le début. Nice intro, j'aime bien. Ah,
Tout va bien, ne vous inquiétez pas. L'astuce, c'est de déconcentrer son adversaire, donc. C'est pas fini. On voit que le mec s'est entraîné en cachette. En cachette, oh, je suis pas beaucoup entraîné, je suis entraîné une demi-heure, une heure à peu près. Tout à l'heure, on parlait de Arc System Works. Donc, ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle BlazBlue, hein, sur les consoles HD. Qui est, on va dire, un peu plus simpliste, même si ça reste quand même un jeu de combat très très complet et assez compliqué, hein, comme tu as l'habitude de nous faire. Mais ça reste beaucoup plus simpliste quand même que Guilty Gear, beaucoup moins nerveux. Même si j'aime beaucoup, moi, en fait, je suis un gros joueur de premier BlazBlue. Je les ai tous, les BlazBlue, à part le dernier, Chrono Fantasma, qui est sorti récemment. Et c'est vraiment un très bon jeu de combat, mais surtout avec un aspect visuel novel et une histoire super compliquée. Il faut vraiment s'accrocher pour tout comprendre. Ouais. Et voilà, je l'ai réussi, à le déconcentrer, à raconter n'importe quoi. Et tu sais, tu sais que là, le super passé, si tu passais pas ce coup, c'était tout ou rien là. C'était vraiment le coup du désespoir. Oh là, il est vénère. Et donc, le prochain Guilty Gear, donc Guilty Gear qui revient pour de bon, qui vient de sortir au Japon dans les salles d'arcade, donc Guilty Gear X-Arm, qui a l'air d'être impressionnant. Premier épisode de la série en 3D. Il y a un full 3D mais toujours avec un aspect 2D, ça va être... J'ai réussi l'exploit de faire un rendu quasiment identique aux versions 2D mais avec un rendu 3D, c'est, ça c'est juste magnifique. Alors je teste un peu en même temps mon perso quand même, je te coupe. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Tu mets des coups de fesses, évidemment. Évidemment, quand t'es une petite blonde qui contrôle des yo-yo. Le super est pas passé. Voilà, bien joué. T'as eu la dernière manche. C'est marrant qu'on fait. Voilà, bon, écoute, moi je te propose de finir sur un autre combat en plein milieu. Je vais prendre un autre personnage que j'aime bien. Un autre personnage que j'aime bien qui est Order Soul. C'est un peu la version gentille de Soul Battery. Voilà. Attends, alors je vais reprendre quelque chose que... Parce que moi, il n'y a aucun respect, je reprends la même personne. C'est juste pour faire une intro stylée. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre duel fantastique et complètement épique entre Jito et moi-même, Diri. A plus tout le monde. Bye bye.